ce aurait dû être euh, l'un des grands rendez vous de l'année 2020 ce sera finalement plutôt l'un des grands événements de 2021 mais le nom reste la saison africa 2020 débute enfin plus de six mois après la date de lancement euh, qui aurait dû être celle du, du, du coup d'envoi mais vous le savez hein, cette cochonnerie de, de virus a bouleversé euh, bien des choses. Cette fois, ça y est. Donc, la saison se lance et on marque le coup, bien sûr, sur France 24. Dans l'affiche, avec euh, nos deux invités. Tout d'abord, euh, Mgonefal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la commissaire générale d'Africa 2020, vous êtes euh, sénégalaise, architecte de, de formation, mais très tôt vous êtes intéressée euh, à la culture, vous avez été directrice notamment de la fameuse, euh, de la rédaction de la fameuse Revue Noire, vous êtes, euh, et vous avez été commissaire d'exposition un peu partout dans le monde, essayiste, consultante en ingénierie culturelle, et vous êtes donc finalement l'architecte de cette saison. Avec nous également euh, Joël Andriano Meharissou, Bonjour. Bonjour. Vous êtes artiste plasticien, mais vous touchez à pas mal de, de supports, on le verra. Vous êtes malgache, euh, vous travaillez entre Paris et Antananarive. Euh, et l'an dernier, vous aviez représenté d'ailleurs euh, Madagascar euh, dans le premier pavillon malgache de la Biennale de, de Venise. Vous êtes donc l'un des très nombreux artistes euh, qui participent à cette euh, saison Africa 2020. On va vous donner la parole à tous les deux dans un instant. Mais d'abord, comme on dit d'habitude, dans nos émissions cinéma.

Voilà donc euh, en 30 secondes hein, l'esprit de cette saison Africa 2020. Euh, en chiffres, c'est 450 projets dans euh, les arts, les sciences, l'entrepreneuriat, l'éducation, près de 200 partenaires ici euh, en France et plus de, et plus de 200 euh, à travers l'Afrique. Alors, Gonefal, d'abord, peut-être avec vous. On a l'habitude des saisons ou des années consacrées à un pays. Par exemple, l'an prochain, 2021, ça devrait être l'année du Japon en France. Mais là, c'est l'année d'un continent tout entier, un milliard, 200 millions d'habitants. Est-ce que finalement, c'est pas un peu ambitieux euh, si, forcément, euh, quand un pays euh, veut consacrer une programmation sur plusieurs mois à tout un continent de plus de 30 millions de kilomètres euh, carrés, c'est forcément ambitieux, mais il faut euh, pouvoir relever le défi et en faire un projet intelligent. Alors, qu'est-ce qui lie tous ces, tous ces pays, tous ces peuples selon vous Est-ce qu'il y a finalement une identité euh, africaine Alors, il y a ce qu'on pourrait appeler un sentiment d'appartenance, puisqu'on a euh, plusieurs euh, personnes qui. Euh, Plutôt que de dire je suis sénégalais, je suis malgache, je suis burkinabé ou je suis nigérian, de dire je suis africain. Donc ce sentiment d'appartenance à un même territoire, à une histoire commune et à un destin commun, c'est une réalité. Joël andré Anomé Rissou, vous êtes l'un des très nombreux artistes qui vont participer à cette, à cette saison et à travers notamment une carte blanche à Aigues Mortes, dans le, le sud de la France. Alors dites-moi en quoi ça consiste cette carte blanche alors c'est un, un projet effectivement assez ambitieux, aussi ambitieux de, que de parler d'un continent, parce que c'est la première fois que je vais finalement faire une exposition quasiment sur deux kilomètres. Par rapport à l'histoire d'Aigmort, j'y ai, ai mis beaucoup, pour me dire finalement beaucoup d'histoires dans le scénario de l'exposition. Je parle à la fois du monument donc comme un hommage au monument, en même temps je dévie les histoires du monument, euh, je parle à la fois de Madagascar à la à travers un, un, un poète qui s'appelle Maurice Ramarzac, je parle aussi euh, de tout ce qui a pu, de, tout, de tous les éléments qui ont pu en tous les cas traverser Egmort en sachant qu'Egmort était un port et je trouve que l'idée d'un port, l'idée d'un hub est un élément extrêmement intéressant dans une thématique comme Africa 20 justement où, où ce sont les croisements qui sont intéressants. Donc je, je croise énormément d'histoires. Mon projet est un, peu, on va dire, il est un peu compliqué de le définir comme ça parce que malgré tout ça reste un projet visuel. Mais mais, mais l'idée aujourd'hui c'est de, de, de rentrer dans des éléments... Euh, on va dire monumentaux, ça veut dire que je construis quasiment des architectures, je refais des tours nouvelles, euh, comme si je dessinais de nouveaux châteaux. Ces châteaux sont en référence à différentes choses. Comme je peux de temps en temps investir aussi l'intérieur euh, des tours avec des éléments qui sont des pièces qui ont été produites à Madagascar, des pièces qui ont été produites à Aigues-Mortes, euh, des pièces qui ont été produites aussi à Paris par exemple, et une narration comme ça, comme un livre qui se développe sur deux kilomètres. Qui raconte à la fois l'Afrique, qui raconte à la fois Aigues Mortes, qui raconte surtout sur le monde et les émotions du monde d'aujourd'hui. Godefal, pourquoi avoir demandé à Joël de participer euh, à, à cette saison et qu'est-ce que vous attendez de lui à travers ce qu'il va vous proposer ici à Aigues Alors, il faut savoir que Joël Léman se connaît depuis 1997, donc ça ne date pas euh, d'hier. Euh, J'ai suivi son, son travail quand il a euh, décidé de passer de la mode puis à l'art contemporain euh, et c'est son c'est son approche conceptuelle mais aussi avec euh, toujours une des messages forts et une charge euh, aussi euh, esthétique euh, très très pertinente euh, voilà c'est son c'est son univers et ce qui l'anime qui qui m'intéresse et quand il dit euh, quand il parle de sa relation au monde euh, en tant que malgache slash africain c'est vraiment ça qui est au cœur de la saison c'est comment est-ce que les africains et la diaspora récente, donc cette société civile, pense le monde à travers 23 enjeux du 21e siècle. Donc si on veut faire un raccourci, ce serait l'Afrique pense le monde ou les Africains euh, pensent le monde et le transcendent. À travers, euh, à travers des questions. Et Joël a cette capacité-là, à travers une carte blanche. Et donc, ce projet de, de Joël-Andriano Meharissou, c'est l'un des 450 projets qui constituent cette saison euh, Africa 2020. Il y a 15 QG, 15 quartiers généraux euh, à travers euh, la France aussi pour cette, euh, pour cette saison. Euh, de, de quoi s'agit-il, euh, Ngonefal en, en quoi consistent ces, ces fameux QG Alors, l'idée, c'était d'avoir des lieux. Euh, où les gens peuvent se retrouver sur un temps long. Euh, cette saison, c'est euh, placer l'humain au centre et favoriser les rencontres et les démultiplier. Euh, alors, quoi de plus intéressant euh, dans cette idée-là euh, que de mettre en place euh, un espace, une structure, où les gens peuvent venir tous les jours pendant euh, plusieurs semaines, comme des sortes de euh, centres panafricains temporaires avec une programmation pluridisciplinaire, une sorte de ruche. Euh, avec euh, des expositions, des spectacles, des concerts, des expérimentations culinaires, des débats citoyens, donc penser le monde, réfléchir à l'état de nos sociétés avec euh, les publics français et être au plus près euh, en fait des publics et euh, ne pas être dans un rapport passif euh, où les publics viennent voir une exposition, regarder un spectacle, regarder un film et après partir. Donc comment est-ce qu'on peut échanger à travers euh, ces questions-là. Donc, c'est ce qui m'a amené à ce concept euh, de QG. Et donc, on a euh, 15 structures euh, volontaires euh, en France, euh, y compris on en a trois dans les territoires ultramarins. Et bien plus que ça, évidemment, de, de lieux où les choses vont se, vont, vont se passer, puisque je crois qu'il y a 81 villes en tout en France qui, euh, qui, qui participent. Alors, ici, euh, on parle de culture, hein, puisque c'est le sujet de, de, de cette émission dans, dans, dans l'affiche. Mais il faut peut-être dire d'un mot, vous l'avez un peu abordé, mais euh, qu'Africa qu 2020, ce n'est pas saison culturelle en tout cas c'est pas que ça euh, oui euh, j'insiste beaucoup là-dessus parce qu'en général quand on parle de cultures africaines euh, ça renvoie souvent à des imaginaires d'un autre âge euh, et à, à l'idée de divertissement euh, alors que cette saison c'est justement comment est-ce que les africains pensent le monde euh, y compris à travers des projets qui peuvent être divertissants comme des concerts euh, euh, ou, euh, ou des défilés de, de spectacles vivants euh, mais la question c'est véritablement comment est-ce qu'on pense le monde, comment est-ce qu'on réfléchit et comment est-ce qu'on apporte des, euh, des idées euh, ou des façons euh, de faire qui nous permettent d'avancer euh, en termes de construction de, de société. La saison euh, englobe tous les champs de l'activité humaine euh, et elle est pluridisciplinaire, ça veut dire que même Joël en tant qu'artiste contemporain... Quand il fait un projet qui est une carte blanche, il associe d'autres personnes. Donc il y a un volet euh, littérature, il y a un volet autour du débat et de la pensée, euh, il y a un volet autour de la gastronomie pour parler de terroir, de territoire, de voyage des, des, euh, des êtres humains et des plantes. Donc comment à travers euh, une idée, euh, un concept se, se démultiplie et aborde différentes questions. Alors, voilà, on est déjà euh, presque à la fin de cette émission. Alors, pour tout savoir sur euh, cette énorme nébuleuse, finalement, sur, euh, sur cette euh, immense proposition... C'est pas une nébuleuse, ça qui... c'est négatif de dire que c'est une nébuleuse. <laughs> Alors, disons, pour... disons, disons avec enthousiasme un gros bazar euh, très intéressant. Un <laughs> gros bazar. Une, une galaxie, voilà, de, de cette euh, saison Africa 2020. Il y a le site, hein, euh, saisonafrica2020.com, sur lequel se trouve l'ensemble du programme, des activités, de tout ce que vous pourrez faire durant cette, euh, cette saison. Joël-André Anomé euh, votre carte blanche, elle sera donc à voir à Aigues Et là aussi, on mettra des liens sur, euh, sur notre site. Euh, Gonefal, on va citer euh, peut-être avec euh, des images de la troupe du Nigérian Kudus Onikeku, qui lui aussi participe à cette saison. Vous nous en dites peut-être un mot alors, Koudou fait partie de la nouvelle génération de chorégraphes euh, du continent. Euh, il est du Nigeria. Euh, ce qui m'intéresse, c'est justement euh, comment est-ce qu'il met euh, à l'honneur euh, les danses populaires et les danses de rue euh, dans son travail. Il travaille souvent avec euh, des artistes amateurs. Et dans le cadre de la saison, euh, il va clôturer euh, le, biennale, euh, le, le défilé de la Biennale de la danse de, de Lyon euh, qui aura lieu le 30 mai. Merci, Ngonefal. Merci également à Joël Andriano Arissou. Et vous n'hésitez pas, vous qui, qui nous regardez, à nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux. On va se quitter donc avec ces images de Réincarnation, le spectacle de la Q Dance Company qui sera retrouvé à la Biennale de Lyon dans le cadre d'Africa 2020. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très vite. Vous avez regardé votre programme avec les Aspirateurs 1000. Aspirateurs 1000, une gamme complète pour tous les besoins. 1000, immeuble C'était votre programme avec Spotify. Merci à toutes celles et ceux qui ont passé l'année avec nous. Écoutez votre rétrospective 2020 sur Spotify.